C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300. Incroyable, exceptionnel, nous allons nous lancer avec un Minitor. Eh oui, incroyable, et non, je ne parle pas de tortue. Parce que ce n'est pas la même chose. C'est un tout petit personnage qui va vivre des aventures incroyables, exceptionnelles, bien entendu. C'est une vidéo en partenariat avec le studio Asylum Square et Gameforge pour l'édition. Merci à eux, on va voir un petit peu ce que ça donne justement et découvrir ce titre pendant à peu près une vingtaine de minutes environ. On y va ? Allez, c'est parti mes gens pour Tiny Fur. Oh yeah. Allez, c'est parti! Boum! On lance le jeu, on lance The Game, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Regardez! Hop! Waouh! Waouh! Incroyable cet effet! Magnifique! Et la musique qui se lance évidemment! Tiny Fur! Oh yeah! Bon, bah on y va! C'est parti! On est parti donc pour une découverte. Le jeu, comme je vous l'ai dit, donc est désormais, dès à présent, disponible sur. Donc PC, entre autres, hein, puisque là vous avez donc la version PC qui existe ici. Vous avez d'ailleurs tous les liens dans la description vidéo si vous voulez l'acheter sur Steam, entre autres. Et on va voir ce que ça donne, et on va se lancer dans l'aventure. Allez, on va faire une nouvelle partie. Une nouvelle game. Oh yeah, c'est parti pour la nouvelle game. Donc, un jeu qui est, comme vous l'avez vu et comme vous le constatez déjà, bah un peu rétro dans l'âme, avec un style très pixel art qui fait déjà plaisir, et ça c'est une évidence, et avec un style un peu platformer, ce genre de choses qu'on aime bien. Ouais, on aime bien ça, hein, on aime bien justement ce genre de truc, et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de jeu, bah, qui revient finalement à ce qu'est le sens même du jeu vidéo. Et ouais, et ça c'est beau. Et ça, ça fait plaisir, avec donc ces petites cinématiques qui sont en train de se lancer, qui vous expliquent un peu donc le scénario du jeu. Et nous ce qu'on veut, c'est aller directement dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Donc, on va choisir notre premier niveau. Let's go. Joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup. En effet, c'est mon anniversaire. Et ça fait plaisir. Non, c'est pas vrai. C'est pas mon anniversaire. Aïe, je suis déjà réveillé. Quelle descente. Heureusement que les arbres ont freiné ta chute, vu l'absence d'Ale. Le casque. En effet, il nous a fallu un certain temps pour te trouver. La forêt est grande. Exact, ton père t'attend. Avec ton cadeau d'anniversaire. Merci. Oh oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir m'offrir? Alors d'après les légendes... Et tu vas pas lui dire ce que c'est maintenant? Oh oui, certainement pas. Il va bien falloir que tu ailles voir Odin, toi-même, pour découvrir ce que c'est. Ah, je vais pouvoir voir mon cadeau. Eh ben c'est parti. On y va. Et on va se lancer dans l'aventure. Donc c'est parti pour cette petite découverte sur le jeu. Alors je sais pas déjà si je vais avoir quelque chose. Est-ce que je vais avoir une arme ou pas? Est-ce que je peux rebondir dessus? Oui, bien sûr. On va pouvoir y aller directement. Alors déjà au niveau des contrôles, ça répond plutôt bien. Et même très très bien. On le voit, on peut le contrôler, le personnage, justement dans les airs. Donc ça c'est une très bonne chose. Au moins, pas de soucis à ce niveau-là. Pas qu'on pourrait avoir dans certains jeux. Ouais. La YouTube monnaie, ça y est, c'est parti. Plein de super dessus, plein de diamants qui font plaisir. Ça va aller. Tout va bien se passer. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude et je m'en sors très très bien comme ça. Hop. Let's go. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jeu à patoun. On le voit notamment en haut à droite quand on récupère donc des diamants. Eh bien, on a un compteur qui apparaît et qui va nous permettre donc certainement de pouvoir faire le jeu à 100%. C'est très joli en tout cas. Déjà, première chose, c'est très très agréable. Ne serait-ce pas la star de la journée? Joyeux anniversaire, petit. Quoique, tu n'es plus si petit que ça. Évidemment. Ah, j'ai oublié de mettre ma caméra, pardon. Excusez-moi. Je vais mettre ma caméra ici. Bah ouais, c'est quand même mieux quand on voit un peu ce qui se passe. Quand même. Et oh, bonjour toi. Et Tiny, joyeux anniversaire. Tu veux bien qu'on joue ensemble avec tes cadeaux? Non. Ah, le petit waf waf, le petit dog, évidemment. Bonjour papa, comment vas-tu? Et mon fils, 8 ans, viens dans mes bras. Ah merci père, je pense que mes côtes viennent de faire un bruit bizarre.
C'est normal, tu es en pleine croissance, tu as déjà bien grandi. À cause de ce jour spécial, tu as droit à un cadeau spécial. Tiens, attrape. Ohé. Ohé. Oh, carrément le Mjolnir. Carrément le Mjolnir. Alors attends, qu'est-ce qu'il... Oh, d'accord. On va pouvoir le faire rebondir. Intéressant. Alors, attends, si je fais ça... Oh, pas mal. Oh, ça sent... Oh, ça sent les petites énigmes. Ça sent les petites énigmes, justement, avec le Mjolnir, qu'on va pouvoir balancer un peu partout. Ah, et on peut le faire revenir comme ça avec nous. Oh, bien. Ah, ouais, ça, c'est bien, quoi. Hop, hop, et hop. On peut le faire revenir comme ça. Et là, je peux... Ah, d'accord, ok. Je pense qu'on va avoir pas mal de petites choses à ce niveau-là. Boum ! Allez, tiens. Là, par exemple, si je veux... Ok. Ah, puis il y a le petit effet comme ça de rebond, en fait, qui fonctionne plutôt bien. Allez, bim ! Tiens. Oh oui ! Oh, les rebonds ! Oh, magnifique ! Oh, ça, c'est de la chance. La chance du débutant, le... Évidemment. Ça fonctionne toujours bien. Allez, on y va. On continue. Récupérer la thune. Allez, tiens, mange. Et avec un petit diamant que l'on récupère. Et c'est parti. Ah, qui es-tu? Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends, attends, je vais faire un truc. Attends. Oh oui, bien sûr. Évidemment. Bah oui, forcément, vu que ça rebondit. Ça va être intéressant parce que de ce fait, on va avoir, je pense, quelque chose qui va bien fonctionner, notamment sur... Il y aura, à mon avis, de très fortes chances des énigmes où on va devoir balancer comme ça le Mjolnir et que ça va rebondir. Ça va être bien. Ça va être très très bien, ça, je pense. Ah ouais, ouais, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Allez. Je veux partir à l'aventure. Je veux récupérer du pognon. Des petits diamants partout. Ah, attends, attends, il y a un petit truc, là. Terminer le niveau. Eh ben, très bien. Let's go. Bah, nickel. C'est ça. Il va y avoir du jeu à patounes, des trucs à récupérer dans les niveaux. Et... Oh, du timer. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu dans les options. On va avoir notamment un système avec un timer. Donc, à mon avis, un petit truc un peu speedrun qu'on va pouvoir faire aussi dans le jeu. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, notamment pour celui ou celle qui veut se lancer là-dedans. Ça peut être très, très, très sympa. En tout cas, je reviens sur ce que je disais, c'est très joli. Hein, encore une fois, on a un jeu vraiment bien, bien, bien agréable comme il le faut. Oh là là, attention. Attends, attends, attends. Yeah ! Ça, c'est bon, ça. Allez, hop, hop. Comme ça, on va passer de l'autre côté. Bim. Très bien. Ouais, je pense qu'on va avoir ce petit quelque chose qui va faire que... Alors, attends, est-ce que je peux... Ok. Ok, ok, on est bien. On est bien. Ah, c'est sympa. En tout cas, c'est très, très sympa, ce niveau-là. Et là, je peux le faire revenir. Donc là, je vais faire pareil ici. Ok. Ok, ok, cool. Good. Good. Et là, on a le droit au petit rebond. Ah, viens ici. Viens ici. Viens ici, voyons mon poulet. Donc, comme vous le voyez, on est vraiment sur du jeu rétro à l'ancienne, hein. C'est vraiment le jeu platformer rétro à l'ancienne, comme on avait finalement un peu à l'époque, avec une certaine difficulté, d'ailleurs, de mémoire. Alors attends, si je fais ça, est-ce que ça a marché? Il y a peut-être moyen de faire mieux. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Ouais, c'est bon, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. J'aurais pu faire beaucoup mieux aussi, si je jouais mieux, évidemment. Hop, voilà, hop, hop, voilà, magnifique, ça c'est bien ça. On va récupérer les petits diamants, les petits gold, j'ai envie de dire c'est goldé, évidemment. Après on essaiera de faire ça. Ah, ah ouais, par contre c'est mort instant, ouah, ah ouais c'est mort instant, d'accord. Oh, ça va tryhard. Oh, ça va tryhard. Oh, bah d'accord. Donc, on a... Voilà. J'ai qu'une vie. J'ai qu'une vie. Mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Évidemment. Tout va très très bien se passer, puisque je suis un pro du gaming. Évidemment. Alors, par contre...
Ça a failli très très mal se passer. Hop. Pareil, toi. Attends. Oh, ouais, faut faire gaffe, hein. T'as pas le temps de respirer, hein. Comme on dit, pas le temps de niaiser. Hop là. Allez, let's go. Ça, c'est très bien. Oh, je le sens pas. Oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Ah non, j'ai quand même... D'accord, ah oui, le cœur me sert de vie. Ah, ok, j'avais pas compris. J'avais pas compris le principe. Donc en fait, on a quand même, avec le cœur, la possibilité d'avoir des vies. Ok. Très bien. Reviens ici, toi. Nickel. Très, très bien. Bon, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, pas trop de soucis particuliers. Ça répond bien. En tout cas, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien le principe. J'aime bien le système. Ça répond bien. Pas de... Vraiment de comment dire, de problèmes dans la jouabilité. Au contraire, on est sur une jouabilité qui fonctionne bien, avec un vrai contrôle du personnage. Parce que ça, souvent, dans ce genre de jeu, justement, on se dit toujours, ah ouais, mais est-ce que ça va vraiment être bien comme il le faut? Aucun souci à ce niveau-là. Magnifique. Oh, puis en plus, j'ai eu un sucé. Ça fait plaisir. Non, attends, si je fais ça... Ok. Bon, mais c'est bien tout ça. C'est bien tout ça. Franchement, il y a moyen de speedrunner le jeu. Il y a trop moyen de speedrunner le jeu. Tu sens en fait que t'as envie de speedrunner le jeu. On le voit avec le timer. Puis même le level design en règle générale te donne envie justement de le faire. Ah, le boss. Le boss. Eh ben c'est parti, on y va. Let's go. Let's go for the boss. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là. Oh, de quoi. Oh, la petite musique là qui fait plaisir. Oh, la musique, c'est déjà un banger. La musique, c'est un bon gros banger qui fait plaisir. Ça, c'est bon. Ça, c'est du bon, ça. Ah, j'ai mal géré mon truc. Parfait. Tout va très bien pour l'instant. Alors, je vais juste voir si je peux courir. Non, j'ai pas l'impression que pour l'instant on puisse courir. Oh oui. Oh la plateforme à l'ancienne. La petite plateforme à l'ancienne. Alors, est-ce que je peux passer par là? Bien sûr que non. Ah ouais. Ah ouais, ça pardonne zéro. Hein. Ça pardonne zéro. Faire gaffe. C'est bon, tout va bien. Je gère la situation. Je gère la situation comme il faut. Et j'ai pas vu, en plus, je crois qu'il y avait le diamant en bas. Ouais, je crois qu'il y avait le diamant. Attention. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Ok, nickel. Oh, des petits trucs d'énigmes à réaliser avec le Mjolnir. Et on y va. Oh là là. Oh, ah, dépêche-toi. Oh non. Oh, c'est... Ça punit direct. Ça punit... La punition est directe. Comme on dit, sévère mais juste. Ouais, c'est bon, on l'a eu. Parfait. Alors, si je fais ça... Dommage. Ouais, là, c'est un petit peu mieux. Ok. Ça passe. Tout va bien. 1, 2, 3, 4, oui. Oh, le feeling est bon. Vraiment, le feeling du jeu est vraiment bon.
en termes justement de comment dire de feeling global en fait quand tu joues au jeu. Ouais, franchement ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ce sentiment vraiment de maîtriser en fait le jeu que tu fais. Ça c'est vraiment bien. Ah, ça sent l'ennemi. Ça sent le boss. Le bossu de Notre-Dame, évidemment. Merci à tous pour cette vanne incroyable. Oh là ! Oh ! Oh, c'est Tetris ! Oh ouais. Oh là, bah, je suis bloqué. Au revoir. Ah oui, ils ont vraiment fait comme Tetris. Regardez, j'ai la strat. J'avais la strat. J'ai plus la strat. Si, c'est bon. Oh ouais, oh c'est génial. Oh oui. Oh puis... Ah merde, j'ai pas vu. Et moi je suis là, je regarde, je fais bon ouais, tout va bien. Tout va très bien. Aucun problème. Non mais c'est... C'est bon, ça va aller. Regardez un pro du gaming. Regardez le pro du gaming, évidemment. Regardez. Là, c'est bon, là, on est bien, là. Enfin, on est bien, ouais, vidéo. Oh, je suis pris au piège. Ça va aller. Je crois en la vie, je crois en l'espoir. Oh, mon cœur. Mario Maker. Oh non, ne me faites pas ça, les gars. Non ! C'est bon, tout va bien. Tout va bien, c'est bon. Oui ! Oh, ça a failli tellement mal se passer. Le thème de la victoire. The victory. C'est fini ? Ah, le thème de la victoire, évidemment. Oui, je suis là, j'ai trouvé une espèce. Ce n'est pas un collier, une amulette des Nornes. Ah bah oui, bah celui qui aime bien le principe, je pense qu'il va kiffer. Oh, c'est très intéressant, dis donc. Il y a des runes magiques. Ces créatures très peu sympathiques doivent regarder cet endroit. Que se passera-t-il si tu touches l'autel avec l'amulette? Eh bah c'est parti. Et le double saut. Eh ben magnifique. Ah, donc on a aussi une évolution du personnage qui va se faire au fur et à mesure. Oh, bah c'est très très bien tout ça. Ma foi, c'est très très bien. Et voilà. Monde terminé. Eh ben c'est nickel. Eh ben écoutez, voilà un petit peu donc ce que donne Tiny Thor, donc Tiny Thor tout simplement. Bah voilà pour la petite vidéo de gameplay sur le jeu. Je vais pas trop vous en montrer. Le but, encore une fois, évidemment, c'est de vous faire profiter du jeu et que vous puissiez découvrir un petit peu eh bien, ce que ça donne. Tiny Thor, donc, c'est sorti dès aujourd'hui, édité par Gameforge, développé par donc, Asylum Square. Et les liens sont dans la description vidéo si vous voulez découvrir tout ça ensemble. Ben, merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao.